Quelles sont les caractéristiques des enfants à haut potentiel? Eh bien, c'est ce dont on va se parler aujourd'hui dans cette minute éducative. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à vous abonner maintenant à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. On va se parler dans cette vidéo des trois portraits de l'enfant à haut potentiel, ce qui rassemble une quarantaine de caractéristiques. Le premier portrait dont je vais vous parler, c'est le portrait intellectuel. Les auteurs, hein, Olivier Revol, son équipe, Jeanne-Sio Fachin, Jean-Charles Terrassier, Ariel Ada, Fanny Nussbaum, s'accordent tous, hein, pour définir des caractéristiques du cognitif des enfants à haut potentiel. C'est un fonctionnement intellectuel spécifique, hein, qui a été démontré par les neurosciences. On va retrouver un déficit de l'inhibition latente. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça veut simplement dire que votre enfant il reçoit toutes les informations en même temps et qu'il ne peut pas sélectionner l'information pertinente, ce qui peut générer des difficultés scolaires hein, face aux consignes. On va trouver une pensée en arborescence dans laquelle chaque pensée en déclenche une nouvelle. Vous savez, c'est cette image de l'arbre où chaque branche va sur une autre branche. On va trouver une pensée globale et intuitive. Votre enfant, il fait des liens rapidement, mais il a du mal à argumenter. Dans le portrait intellectuel, on note aussi un grand attachement au sens des mots, un traitement spécifique de l'information. Le cerveau des enfants à haut potentiel, il en reçoit plus d'informations et plus rapidement que la moyenne des enfants du même âge. On note aussi une grande curiosité, une capacité d'attention à condition d'être intéressé. Un langage qui est élaboré, qui est structuré dès le plus jeune âge. Votre enfant, vous avez peut-être remarqué qu'il a un intérêt pour les lectures qui sont encyclopédiques. Il a un grand intérêt pour les questions métaphysiques, la vie, la mort, l'univers. Dans son portrait intellectuel, vous allez constater un changement rapide des intérêts dès qu'ils sont maîtrisés. Hein. Votre enfant, il va s'intéresser à un sujet pendant quelques temps. Il va s'y intéresser à fond, voire même parfois de manière un petit peu obsessionnelle. Et puis une fois qu'il l'aura maîtrisé, eh ben, il passe à autre chose. On trouve une grande mémoire, hein, un grand sens aussi de l'observation du détail, une pensée créatrice, divergente, hein, qui peut générer un manque d'organisation. Voilà pour les caractéristiques du portrait intellectuel. Maintenant, passons au portrait affectif ou comportemental. On va retrouver chez les mêmes auteurs ces différentes caractéristiques. Tout d'abord, une hyperactivité émotionnelle, une grande sensibilité émotionnelle face à l'injustice, les reproches, l'échec. Les auteurs notent de nombreuses négociations liées à un profond besoin d'équité. Une hyperesthésie. Vous savez, l'hyperesthésie, c'est l'hypersensibilité des cinq sens. C'est pour ça que les étiquettes, entre autres, sont insupportables pour nos enfants. Un besoin de sommeil qui va être inférieur à la moyenne. Un grand sens de l'humour, une grande empathie. Et plus que l'empathie, l'enfant a au potentiel, il ressent ce que les autres ressentent. Donc c'est même au-delà de l'empathie, c'est même de la sympathie. Des peurs qui sont non conventionnelles pour leur âge, des peurs de la mort, de la fin du monde, des tremblements de terre, etc., etc. Une préférence pour lier des amitiés avec des enfants plus âgés ou alors même des adultes. Hein. Sur le plan affectif, les enfants à haut potentiel, ils ont un besoin énorme de stabilité affective. Ils ont une faible tolérance à l'autorité brute. L'autorité brute, c'est l'autorité sans justification des règles. Ils ont besoin de sens, vos enfants, pour accepter votre autorité. Un esprit critique très développé, un perfectionnisme qui doute souvent et qui a peur de l'échec. On note aussi une motivation qui est liée à l'intérêt. Ça veut dire que les enfants à haut potentiel sont tout à fait capables de se concentrer et d'être attentifs à une tâche sous réserve qu'ils soient intéressés par cette tâche. Et puis enfin, le portrait scolaire. Alors on observe différents profils scolaires hein, de l'enfant à haut potentiel. Mais je vais m'attacher ici à décrire les caractéristiques globales observées par les auteurs. On note de grandes capacités et une grande rapidité d'apprentissage, de fréquentes difficultés en écriture, surtout chez les garçons, une résistance à l'apprentissage au par cœur, encore une fois, ils ont besoin de sens,
de l'ennui qui peut être injustement confondu avec un TDAH, hein, c'est ce que je vous disais. Les enfants à haut potentiel, ils n'ont pas plus de TDAH que les autres, certains en ont, mais pas plus que les autres enfants. Simplement, quand ils s'ennuient, eh ben, ça génère un stress, et ce stress, ça génère de l'agitation. Donc si vous avez un enfant qui s'agite soudainement ou en classe, si vous avez des élèves qui s'agitent, essayez de creuser du côté de l'ennui. Une difficulté à justifier ses résultats, hein, ils vont avoir cette pensée fulgurante, ces réponses fulgurantes, mais ils ne sont pas capables de retracer le chemin de pensée par lequel ils sont passés pour arriver au résultat. Une excellente expression orale, hein, et puis un écrit plus difficile. Une absence apparente de méthodologie. En fait, ils utilisent leur propre méthode, hein, et non les méthodes scolaires. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas de méthodologie, c'est juste qu'ils ont la leur, pardon. Ils ont un fonctionnement à l'affectif, hein, pour avancer, pour apprendre. Hein, ils ont besoin d'être valorisés dans les apprentissages. Ils ont besoin d'être appréciés par les enseignants. Ils ont besoin de maîtriser leur environnement. Voilà pour un petit résumé des trois portraits des enfants à haut potentiel. Donc, comme vous pouvez le voir, le haut potentiel, eh ben, c'est bien plus qu'un haut potentiel intellectuel, comme je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Votre enfant a de très nombreuses caractéristiques spécifiques de fonctionnement. Et puis, si vous voulez retrouver la liste des 40 caractéristiques et des trois portraits des enfants à haut potentiel pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, pardon, sur ce qui peut correspondre ou non à votre enfant, eh bien, je vous invite à télécharger les fiches récapitulatives de ces caractéristiques. Je vous mets le lien dans la description. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos enfants et je vous dis à très bientôt.